Rendez-vous acteur politique yo te bay la li passé. Rendez-vous 6-7 février li passé. Quel que soit ça qui pral fait à partir de journée jodi 8 février son l'autre bagay. Mais grand rendez-vous avant 7 février pour yo te bay 7 février à minuit comme dernière limite pour premier ministre Ariel Henry quitter pouvoir, eh bien date ça li déjà passé. L'émission plusieurs idées aujourd'hui, nous allons regarder ensemble avec vous qui petit combat qui t'a mené en dedans gros combat. Et ensuite nous allons montrer, nous allons dire exactement qui est non parmi trois leaders qui t'a porté flambeau combat face à premier ministre Ariel Henry. Qui est non yo effectivement qui capable considérer yon petite victoire en dedans défaite yo t'ai projeté pour 6-7 février pour te forcer PM Ariel Henry quitter pouvoir. Restez ensemble avec nous dans l'émission plaisir. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission plaisir de voir de nous, mille merci. Les amis, nous comptons en pile, et si nous suivons plusieurs idées, dans le dernier jour, nous avons des informations nous bail. Au commencement, il y a un pile monde qui pas comprendre, on se va regarder commentaires, il y a des monde qui même lapider nous. Ces plateformes ça en premier qui te bail information hier après-midi, côté nous te confirmé, nous te dit que embuscade qui te tend côté 5 agents BISAP qui te mouria, et bien embuscade ça était tend précisément c'est pour Guy Philippe qui te tend parce que dans tête monsieur yo, machine ça te fait partie du côté Guy Philippe. Dans l'après-midi et dans le matin, les machines ont descendu, vous avez un pile espoir, vous avez un sûr qui est confirmé, qui avez un pile possibilité pour Guy Philippe dans la machine. Et c'est ça que fait monsieur, vous prenez un embuscade là, pour vous même au commencement, c'était Guy Philippe. Un pile monde qui était là avec nous, qui était dit que nous venons avec faux informations, et bien bon, et matin 8 février, c'est Jean-Tel Joseph, qui est directeur BISAP, qui c'est Guy Philippe avec propre bouche lui-même, lui confirmer l'information. Nous même dans l'émission plusieurs étés force nous, nous pas parler ça, nous pas connaître, nous pas bail information, autant des fois nous pas vérifier, nous pas sûr, nous pas gain des sources. Il y a des partenariats nous avons développé avec des alliés qui mieux positionnés, qui gain information privilégiée, qui capable de permettre nous joindre information. Là nous les têtes nous plus vérité, et puis c'est là où tu as des informations, nous pour garantir, pour mettre faire confiance. Journée 6-7 février elle est finie. À partir de 7 février, à partir de 8 février là, son l'autre bagaille. Des manifestations qui toujours continuer. Est-ce que Ariel Henry a arrêté? Est-ce qu'il pas arrêté? Ariel Henry parlait dans la nuit de 7 février ou bien dans la nuit de 8 février devant jour. Côté il dit tu m'arrive pas monter, tu m'arrive pas descendre, au contraire, il dit mon yo posez pas gien à faire question qui peut pouvoir, pas gien à faire question l'autre transition, c'est lui même qui a fini avec transition en Haïti, d'après Jean ancien président Jovenel Moïse qu'on dit. Eh bien, il dit opposé, c'est dans l'élection pour le temps de nous aller. Ok, il promet, il fait une promesse, côté il dit la paix, sécurité par établir sur tout le pays. Il félicite la police nationale là, d'après lui-même, qui fait un travail extraordinaire, et il félicite, c'est comme ça, il dit dans le discours là. Mais faut qu'on dise dans l'émission plus vérité, en dedans, gros combat qui était prévu pour 6-7 là, côté objectif principal là, c'était forcer PM Ariel Henry quitter pouvoir. Te gen yon lot si combat qui t'a mené. L'autre combat qui t'a mené, c'est entre parmi trois leaders qui t'a mené mouvement. Trois leaders a yo, qui c'est Guy Philippe, qui c'est Moïse Jean-Charles, ensemble avec ancien premier ministre Claude Joseph. Combat qui t'a gagné entre M. Zayo, c'est qui est vraiment qui t'a pas sorti fortifié. C'est qui est qui t'a pas le plus fort paraître plus, qui t'a pas le bien profiter de momentum ça pour te mieux positionner. On a regardé qui comportement yo chaque gagné. Premièrement, on a regardé comportement PM ancien premier ministre Claude Joseph. Ancien premier ministre Claude Joseph, ça va faire trop longtemps avant Ariel Henry, c'est lui-même qui était premier ministre. C'est lui-même qui était chef police nationale là, qui était lui-même qui était chef responsable question sécurité en dedans pays là. L'a regardé, li wè dans combat politique là pour être capable essayer joindre mieux positionner, eh bien, il lance le combat politique là, il lance le souterrain côté dans le combat pour retirer PM Ariel sous pouvoir en fin 7 février ou bien jour 7 février même, eh bien, il dans la manifestation, il prend gaz côté vraiment, il n'est pas capable de résister. Bon, en plus, le monde fanatique dit que pour lui-même, c'est un bel geste
parce que il démontrait encore une fois il se repose en farouche, il montrait que il est un leader de terrain, il a une capacité, il est capable de supporter frappe, il est capable de prendre soukous politique yo, en pile fanatique yo, yo félicité le pour ça. Mais il y a un pile monde tout qui dit que tant qui passait, en date c'est lui-même qui était chef police nationale là. Tant qui passait, entre temps c'est lui-même qui était chef primature là qui t'a coupé raché. Tant qui passait entre date que lui-même il était à bail l'ordre ou à bail manifestant ou à bail opposition en gaz et aujourd'hui c'est lui qui est en changé quand pour c'est lui-même qui a prend gaz. En pile monde dit momentum n'en pas en faveur vraiment lui paraît anti gens l'aide parce que même policier ça yo journée aujourd'hui lui a prend gaz dans main roi et lui même policier ça yo ça pas fait trop longtemps c'est lui même qui t'a ordonné pour aller bail l'autre manifestant gaz. En pile monde considère ça et ça malgré lui fait le geste héroïque ça lui aller dans manifestation lui paraît comme victime population pas elle effectivement tant qu'il y a une victime, les plus semblés, ils show côté un show médiatique, côté l'État fait un showbiz, côté les plus semblés, c'est les a essayé jouer sur sensibilité population, hein, mais les pas gagné un impact réel qu'il fait. On a regardé l'autre gros acteur qui était promettre et nous capable dire tout mouvement 6-7 février, monde principalement qui déclenche le détonateur. Moun qui provoquait l'acteur politique qui mettait tout mouvement ça en branle pour retirer PM Ariel Henry dans tête pouvoir nous capable de dire Guy Philippe. Guy Philippe vini après le fin sorti aux États-Unis, il débarqué et bien il vini avec une nouvelle énergie en question révolution ouais par ouais faut PM Ariel aller ouais par ouais il pral faire révolution. Nous même dans l'émission plusieurité soit regarder depuis première émission que nous t'ai fait nous t'a analysé ressources, nous avons des moyens politiques, nous avons des origines politiques et origine politique Guy Philippe, nous avons toujours dit que lui pas gagné en pile possibilité pour le capable aboutir et nous expliquons bien qui ensemble des facteurs qui fait que lui pas gagné en pile possibilité pour aboutir à question révolution et nous avons exhorté dans l'autre émission nous avons dit pas confondre moyo yo gen force yo gen signification yo. Retirer PM Ariel Henry dans tête primature là, c'est yon bagay. Fait yon révolution en Haïti, son l'autre bagay. Yo pa gen même, c'est pas même bagay du tout yo. Monsieur yo tap goumè pour yo te retirer PM Ariel Henry dans tête primature là. Mais question révolution, yo loin. Sacré les révolutions et nous gagnons une charge spéciale, n'ap travay sou sacré les révolutions, nous fait émission déjà sur révolution. Nous avons plusieurs grandes révolutions, nous allons présenter sur la plateforme ça, la révolution soviétique, la révolution cubaine, la révolution haïtienne. Côté, nous allons aider à comprendre bien qui ça qui est une révolution pour ne pas quitter n'importe qui monde à dire nous, libre à faire révolution, libre à faire révolution pour grand merci. Eh bien, Guy Philippe, malgré c'est lui-même qui était détonateur, qui était déclencheur, on est capable de dire c'est superstar, c'est joueur tout le monde à attendre. Non mouvement c'est 7 février et c'est espoir ça population a été gagné population a été connu qu'elle gagne force d'elle désormais qui t'a pas le contrecarré avec des sap il t'a pas le contrecarré police nationale là il t'a pas le contraint PM non pour te quitter pouvoir et c'est force ça population a été compté sur lui qui fait ouais quantité monde ça prend la rue Port-au-Prince parce que terrain Port-au-Prince c'est un terrain qui fragile moun yo Port-au-Prince pas prend la rue comme ça sans yo pa gen garantie effectivement yo pral aboutir à un objectif bien spécifique. Et bien faut moi dire nous ça, c'était bien compté, mal calculé, yon acteur, yon jouet qui paraît beaucoup plus décevant dans le combat 6-7 février, nous pas connaît le combat, gen bataille. Nous pas connaît est-ce que c'est yon bataille qui perdu, mais guerre là, la continue, la gen combat, nous pas connaît jusqu'à présent. 8 février, grande déception. Combat qui a mené pour mettre TPM Ariel Henry à terre, dans primature, dans tête primature là, il relève ancien commissaire de police Guy Philippe, parce que résultat, effectivement, population a tapé, support population a pensé qu'elle devrait joindre dans même ça, dans même stratège Guy Philippe, qui pourrait permettre de contraindre PM Ariel Henry pour quitter tête pouvoir, il n'y a pas joindre. Et encore pire, dans le moment où la population a été plus à tonne présence, il était totalement disparu.
Est-ce que c'est embuscade là qui force le contraint à aller? Est-ce que c'est négociation politique qui a fait en bas, côté Yodi, d'après sa information qui a véhiculé, qui a déjà offert le poste en dans le prochain gouvernement qui va le faire, qui cause? Nous ne connaissons pas nous-mêmes dans l'émission Plus Vérité, nous ne connaissons pas ça, nous ne connaissons pas, mais il est certain, support population à non mais ancien commissaire Guy Philippe, non mais équipe de SAP là, pour te contrer le pays à Marguerite, qui te pouvoir, yo pas joindre. Élément qui paraît, plus ou moins, qui maintenant niveau que sa population, perception pour la population intégrée de lui-même, lui relève ancien sénateur Maurice Jean-Charles. Ancien sénateur Maurice Jean-Charles, dans une série de vidéos dramatiques qui a véhiculé sur les réseaux sociaux, nous sommes capables d'estimer où est qui ensemble des calamités qui est passé et lui confirmé et en plus l'autre source confirmé nous effectivement il y a un attentat réel contre lui-même parce que M. Pouvoir n'est pas dans le jouet. M. Pouvoir est décidé élément qui vient sortir pour bailler pouvoir problème dans la capitale là il a mis des boyaux à terre. Malheureusement, heureusement pour lui-même, il n'est pas arrivé victime, mais ancien sénateur effectivement il y a un attentat réel qui est fait pour lui-même. Et j'ai ça, le fait que Maurice Jean-Charles ait une capacité pour le sortir dans le Nord, ou le descendre dans la capitale là, et lui paraître dans le combat qu'il a fait en face pour mettre derrière Ariel Henry à terre, pas de monde, pour un pile monde. Et Maurice Jean-Charles, lui baille ça, il te souhaite qu'il te baille là. Il n'y a pas plus que ça, il connaît le baille, mais au moins ça, il connaît qu'il te baille là. C'était mobilisation, c'était alpha manifestation. Yo connaît li pa gen yon bois armé résultat en fin moun fanatique li yo t'ap tande li même nan fanatique li yo satisfait pour fanatique li yo li toujours que des niveaux de acceptation qu'il te gagnant li pa mené une grande victoire li pa arrivé mettre PM la tête mais li kembe niveau au moins de acceptation de popularité et sa fanatique li yo t'ap tande li au moins li kembe niveau a et il fait un gros geste parmi trois leaders qui t'a mené combat en face PM, non? Donc, capable de dire, c'est un unique leader qui plus ou moins kimbe niveau de acceptation et niveau de sa attente que population fanatique li yo t'a tente de lui-même, au moins li kimbe niveau attente là, li pas baissé. Mais après ça, parmi tout l'autre leader yo, on capable de dire, c'est plus de chasse. Dans cas ça, nous capable de dire, si victoire pour Maurice Jean-Charles, nous t'es capable de dire, pour l'autre des acteurs yo, en dedans gros combat, est-ce que vous allez gagner? Est-ce que demain après PM a gagné la tête? On va nous pas connaître, mais pour 6 7 février, on capable dire, nous pas bail résultat. Est-ce que PM Ariel Henry PM Ariel Henry lui-même il gagne une victoire? On pas capable dire non plus c'est une victoire. Est-ce que pays d'Haïti perdant? Oui, n'a dit dans ça passé, le grand perdant encore une fois c'est pays d'Haïti qui vient plus mal, c'est masse population, c'est eux même qui vient plus mal. Pays a couru sur près de 2-3 semaines là, l'économie pays a est totalement bloquée jusqu'à présent. Nous pas contre populaire nous là, bataille vient totalement dégénérée. Ben on va politique ça n'a demandé encore une fois. Acteurs politiques yo, faut regarder pressé qui gens yo capable venir dans calme parce que dans moment mouvement qu'a fait pour mettre pays Marie à la terre, si yo pas capable faire un mouvement pour beaucoup de points, yo capable faire ça rapide pays a pas ta kembe pour un pile jour. Mouvement révolution y a parlé, mouvement pour PM Ariel Henry quitter pouvoir, son mouvement pour faire chaud, ou bien joindre en entente, ou bien casser fait courir ça, après ça la vie passer en dérision, parce que la population pas qu'à quitter pour un peu de temps. Et il y a son pays qui fonctionne au jour le jour, donc il y a pas de grandes ressources qui permettent de résister pour un peu de temps. Mille merci pour sauter ensemble avec nous, édition spéciale, émission Plus Vérité, et c'est un plaisir pour nous de toujours porter bonne information par vous, ou même qui branche nous pour la première fois, partager, inviter nos amis en famille. De rejoindre une famille plus jolie qui a passé là et donc comprendre plus bien qui s'est passé dans le pays. Mille merci, à la prochaine pour une autre émission plus jolie. À la prochaine.